Ok, bonjour à tous. Donc Sébastien Ménétrier, bah moi c'est facile, je travaille ici en fait. Donc comme c'est marqué quelque part par là, je travaille pour Soat Agile. C'est-à-dire que je suis consultant, donc j'accompagne des équipes qui font leur transition vers les méthodes agiles. Et je suis formateur aussi. Bien. Donc on a vu tout à l'heure, on a parlé de gamification. Mais on va parler d'autres possibilités d'utiliser des mécanismes de jeu dans notre travail au jour le jour. Et je parle plus dans l'organisation de notre travail au jour le jour. En gros, on va parler de quatre manières de les utiliser, donc principalement les serious games, des jeux d'apprentissage. Mais on va voir aussi qu'on peut utiliser des mécanismes de jeu pour nous aider à faire des estimations, qu'on peut utiliser des mécanismes de jeu pour essayer de susciter de l'innovation, et qu'on peut utiliser des mécanismes de jeu pour s'améliorer, pour améliorer nos techniques de travail au jour le jour. Mais avant de détailler tout ça, on va déjà se poser la question de savoir pourquoi exactement on joue. Qu'est-ce qui va, pourquoi on va utiliser des techniques de jeu dans l'entreprise? C'est vrai que c'est une idée qui est un petit peu incongrue. Moi, je sais que généralement, quand je parle à mes clients, et surtout à mes clients bancaires, quand je leur dis que je vais animer une session de jeu dans leurs locaux, généralement, ça passe très mal. Donc je suis obligé de m'expliquer. Donc pourquoi on va le faire? Déjà, on va le faire parce que les autres le font. Dans le monde de l'éducation, le jeu, c'est utilisé pour apprendre des choses. Vous y êtes tous passés par l'école, j'imagine. Donc à l'école, on utilise des mécanismes de jeu pour apprendre à écrire, à compter, etc. Donc si ça marche pour des enfants, il n'y a pas de raison, ça devrait marcher pour nous aussi. Ça marche pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement qu'en jouant, on va manipuler des concepts. Et en manipulant des concepts, on se les approprie beaucoup plus facilement que juste en se les faisant expliquer. D'accord? On devient acteur, on n'est plus uniquement spectateur. Ça permet aussi de penser différemment, d'accord? Ce qu'on appelle penser outside the box. On va réfléchir différemment. J'y reviendrai quand on parlera d'Innovation Games. Et puis bien évidemment, le jeu c'est quand même fun, c'est quand même sympa, donc on va aussi créer du lien, d'accord? Créer de la synergie, créer de l'empathie au niveau des personnes. Donc ça aussi c'est efficace au sein d'une entreprise pour constituer des équipes, pour fédérer des équipes, c'est vraiment très appréciable. Et donc, c'est utilisé dans tous les domaines de l'entreprise, donc c'est aussi utilisé dans le domaine de l'informatique. Alors, on va commencer par le cas le plus commun, c'est ce qu'on appelle les serious games, les jeux d'apprentissage. On va jouer pour apprendre des choses, d'accord? Donc moi, en tant que formateur, c'est vraiment quelque chose que j'utilise dans toutes mes formations. Je fais jouer les gens. Donc on l'a dit, déjà, ça leur aide, enfin, on manipule les concepts, donc ça aide à les faire rentrer. Et puis, il y a des études neurologiques qui prouve que l'esprit humain retient beaucoup plus facilement les choses quand il est dans un esprit non neutre, dans un état d'esprit, pardon, non neutre, dans un état non neutre. C'est-à-dire, si je suis très content ou si je suis vraiment pas content, je vais beaucoup mieux me souvenir de ce qui se passe. Alors en formation, j'ai toujours pas le droit de taper les gens. Je demande, mais ça passe pas. Donc je vais plutôt essayer de rendre les gens contents, et je sais qu'en les rendant contents, ils vont beaucoup mieux retenir. Et le jeu va m'aider à rendre les gens contents. Alors, il y a tout un tas de types qui vont exister. Si on sort un petit peu du monde de l'informatique, on va pouvoir trouver des serious games vraiment dans tout un tas de niveaux. On va avoir beaucoup de jeux de simulation sur ordinateur. On va avoir des jeux de simulation, par exemple, pour apprendre à opérer quelqu'un. Et même des jeux maintenant avec des mannequins très très réalistes. C'est un petit peu le docteur Maboul de votre enfance, mais sur un vrai mannequin qui va vous apprendre à faire de la chirurgie. L'armée américaine utilise des jeux vidéo style FPS pour apprendre à ses soldats à communiquer ensemble. Mais on peut aussi, et moi c'est ce que j'utilise, se servir de jeux beaucoup plus simples. Vraiment, on va revenir au bon vieux jeu de plateau et on va mettre les gens autour d'une table et les faire manipuler. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut les utiliser par métaphore. Je vous mets dans une situation qui n'a strictement rien à voir avec votre travail et j'arrive à vous faire passer un concept. Par là, typiquement, je peux vous faire jouer à la bataille navale avec mes règles à moi, et derrière, vous aurez compris pourquoi l'intégration continue, c'est intéressant. D'accord? Juste par métaphore. Je pourrais vous détailler après, en off, si ça vous intéresse, comment on peut faire ça. Pour impliquer des décisionnaires, c'est vraiment très bien. En 10 minutes, ils ont compris l'intérêt. Ou alors, vraiment, par simulation. C'est ce qu'on voit ici. Je peux, pour vous expliquer la méthodologie de gestion de projet Scrum, on va construire une ville en Lego en appliquant tous les principes de cette méthodologie-là. D'accord? Et là, vous les aurez manipulés et à la fin de la session, vous aurez bien compris les tenants et les aboutissants de la chose. Donc, par simulation ou par métaphore. On va pouvoir aborder, donc j'ai dit vraiment des sujets très petits comme des sujets très très larges, hein.
Et puis, donc forcément, tout type de durée. Il y a des exercices qui vont durer un quart d'heure, mais des exercices qui vont durer 4 heures. Donc, on peut s'en servir en atelier autonome, on peut s'en servir au sein d'une formation à côté de méthodes plus traditionnelles. Et bien évidemment, dans ce genre de méthodologie, ne pas oublier le débrief, c'est indispensable. On n'est pas là juste pour jouer, on est là pour apprendre des choses. Donc il faut après raccrocher les wagons avec la réalité. Donc le site Testing Cupcakes qui reprend plein plein d'exemples si vous cherchez, vraiment très très bien. Ensuite, on a les Innovation Games. Les Innovation Games, l'idée c'est de manipuler des concepts, de manipuler des choses physiquement pour créer de l'innovation. Alors là aussi, ça va se baser sur des études neurologiques qui disent tout bêtement que quand on est en train de parler ensemble dans un bête brainstorming habituel pour essayer de construire une solution ensemble, bah, il y a certaines zones du cerveau qui vont être utilisées. Et quand on manipule des choses, quand on crée quelque chose, il y a d'autres zones du cerveau qui vont être utilisées. Et donc, il y a de nouvelles idées qui vont pouvoir apparaître. Donc l'idée, c'est ça, c'est de construire un produit ensemble, et de là vont naître des nouvelles idées. Alors un des exemples les plus connus, c'est la Product Box. La Product Box, c'est très très intéressant quand vous discutez avec votre client pour essayer de fédérer une vision sur un produit. D'accord? Votre client, il vous demande un produit, mais vous avez un petit peu de mal à sentir ce qu'il veut. Et puis même, vous avez plusieurs clients en face et ils n'ont pas tous forcément la même idée. Donc comment s'assurer bah, qu'on va faire le bon produit qui réponde aux besoins de nos clients? La Product Box, ça peut être un bon moyen d'entamer la discussion. Tout bêtement, vous dites à votre client, bah, imagine, demain, ton produit, il est en vente au supermarché. Et on va designer la boîte de ce produit-là, de la même manière qu'on pourrait designer une boîte de céréales, par exemple. Sur une boîte de céréales, il y a un nom, il y a une image devant, il y a des descriptions techniques sur les côtés, il y a du texte explicatif derrière. Ben, on va faire la même chose avec le produit. Et donc, on va tous se mettre autour d'une table et on va forcer les gens à discuter sur qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que je veux mettre en avant, c'est quoi l'image de mon produit. Et donc, là aussi, le rôle très important de l'observateur, parce que ben, y a le produit final et puis il y a eu toute la discussion. Faut faire attention aux idées qui ont été rejetées, aux personnes qui sont trop imposées, qui ont un petit peu phagocyté la discussion. Et comme ça, vous allez comprendre quelle est la vision de votre client. Vous aurez déjà aidé vos clients à fédérer leur vision et vous allez pouvoir bah, plus facilement donc, comprendre et avoir une solution adaptée aux vrais besoins de votre client. Donc c'est un exemple, il y a plein plein d'autres exemples d'Innovation Games, donc dans le bouquin de Luc Oman, Innovation Games, le bien nommé. Troisième point, j'imagine que vous avez déjà tous été confrontés à la joie de devoir chiffrer un projet informatique, ou alors on vous a imposé des chiffrages. Le chiffrage, c'est vraiment une des plaies de notre boulot. C'est un truc qui est vraiment pas simple à mettre en place. Avec l'expérience, on sait qu'il y a trois choses qui font qu'un chiffrage va être réussi. La première chose, c'est qu'on va demander l'avis de l'expert, c'est-à-dire ce sont les gens qui font les choses, qui devraient dire combien de temps il faut pour faire les choses. C'est pas votre chef de projet qui va vous dire combien de temps il faut pour que vous fassiez votre dev. C'est à vous de le dire. D'accord? Deuxième point, bah, l'intelligence collective, ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire plutôt que de décider dans notre coin, si on se met à plusieurs autour d'une table pour discuter d'un chiffrage, généralement on arrivera à des meilleures solutions, à des meilleurs résultats, pardon. Et le troisième point, bah, l'esprit humain, il fonctionne vachement mieux en comparaison que dans l'absolu. D'accord? J'arrive beaucoup plus facilement à dire que un tel est plus grand qu'un tel, que de regarder une personne et dire, ok, toi, tu fais 1m83. Ah merde. Ok, tu fais 1m72. Donc, voilà, ces trois mécanismes-là, ben, on va essayer de mettre en place des jeux pour les manipuler. Typiquement, là, c'est ce qu'on appelle le planning poker. On a des cartes, chaque avec des valeurs numériques, et chaque personne autour de la table va mettre une carte qui représente le chiffrage pour une tâche donnée. Et ça va permettre donc à tout le monde de s'exprimer, mise en place de l'intelligence collective. On va pouvoir mettre en place des échelles de comparaison. Et donc, on va s'assurer que tout le monde a donné son avis et on va pouvoir débattre sur ces chiffrages. Donc, un exemple, il y a plein d'autres techniques d'estimation donc qui vont marcher comme ça sur des mécanismes ludiques. Et le dernier point, les rétrospectives. Alors ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup dans l'agilité, mais qu'on utilise aussi ailleurs. L'idée, c'est de se dire que, quelle que soit notre manière de bosser, il y a probablement des possibilités de l'améliorer. D'accord? On peut améliorer nos process, on peut mettre en place de nouveaux outils, sucrer une réunion qui sert à rien, hebdomadaire ou que sais-je. L'idée, c'est de se mettre tous ensemble autour d'une table et d'en discuter. Et là aussi, on va pouvoir piocher dans des mécanismes ludiques pour animer cette réunion et faire en sorte que des idées intéressantes émergent et faire en sorte que tout le monde ait eu la possibilité de donner son avis.
D'accord? Si tout le monde donne son avis dans un groupe, dans une équipe, on a beaucoup plus de chances d'obtenir l'adhésion et transformer une bête réunion sur ce qui ne va pas bien en un véritable plan d'action qui fait que les gens vont effectivement mettre en place les actions décidées. Et je suis pile poil dans les temps significatifs. Donc maintenant, si vous avez des questions sur le sujet ou si vous voulez qu'on en discute plus en profondeur devant un verre après, je vous écoute. Oui. Question. Je suis joueur d'ego, je suis brevet, membre de la Fédération française éponyme, et on va mettre en place un programme justement, parce que l'éducation nationale a reconnu les matières pédagogiques au moins pour les enfants et les adolescents. On va mettre en place une formation justement en milieu scolaire. Mm-hmm. Que pensez-vous de l'intérêt du jeu de go en entreprise sur les formations? Justement par ses côtés à la fois à très abstraits et très concrets entre mes élèves. Et l'équilibre stratégique qui était recherché en permanence. Ouais. Alors, pourquoi pas maintenant, ça serait quoi le but? Mais dans l'absolu, oui. Enfin, moi, de toute manière, je reste convaincu que la pratique ludique, c'est vraiment très efficace. Enfin, effectivement, on pourra en discuter plus en détail. Mais après, il faudrait voir quel est le projet derrière. L'idée c'est voir qu'est-ce qu'on apporte aux employés parce qu'après pour essayer de convaincre des décideurs on va être obligé de passer en termes de ROI, hein, retour sur investissement mais moi je reste persuadé qu'on a énormément à apprendre de par la pratique du jeu, donc oui, clairement oui, à 200%. Oui. Alors pour d'autres raisons, mais pourquoi pas. Oui. Ouais. Enfin, j'ai une deuxième question. Quelle est la gamification c'est pas un peu trop. Est-ce que ça relève du même champ que le service? Alors, ça relève du même champ dans le sens où on va, dans les deux cas, utiliser des mécaniques ludiques. Mais le but de la gamification, comme tu expliquais tout à l'heure, c'est vraiment on utilise des mécaniques ludiques. En dehors d'un contexte de jeu, pour induire des comportements, pour des raisons marketing, là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser un vrai jeu pour faire apprendre des choses. Donc oui, effectivement, c'est connexe parce qu'on va utiliser des mécaniques similaires. Par contre, l'objectif est différent. Vraiment, le but du Serious Game, c'est de faire apprendre quelque chose. D'accord ? C'est pas d'induire un comportement, c'est pas... Et je te laisse compléter, effectivement. Si je peux me permettre, la gamification, c'est de reprendre des techniques qui font marcher les jeux vidéo et les appliquer au business pour créer de la valeur ou créer du revenu. Alors que le Serious Game, c'est plutôt, à mon avis aussi, c'est de mettre dans un contexte de jeu pour les sortir de leur, par exemple, de leur conflit. Il y a une équipe qui est beaucoup en conflit, on va les mettre dans un état de jeu pour leur dire, pour les sortir de leur. On est dans le travail, il faut être sérieux, on a le droit de rien dire. Enfin, je pense que là, le jeu, c'est aussi de permettre aux gens d'imaginer des choses différentes. Oui, le jeu peut aussi avoir effectivement cet aspect dédramatisant qui peut être utile aussi dans la résolution de conflits. Oui. Oui, je me disais, le fait que chacun joue, ça permet de laisser aux plus timides et à des gens voilà, assez introvertis, réservés, la possibilité de s'exprimer en mettant tout le monde sur un pied d'égalité. Tout à fait. Alors après, ça peut induire d'autres comportements. Je crois que j'ai toujours un doute. Oui, c'est Platon qui disait. C'est toujours classe de citer Platon. J'apprends autant sur une personne en une heure de jeu qu'en une journée de discussion. Jouer, c'est se dévoiler. C'est ça. Et donc, il y a des gens qui vont le faire sans souci. Il y a des gens qui vont avoir du mal à le faire, surtout dans un contexte d'entreprise. Donc, des fois, en animant des jeux, tu vas te retrouver avec des réticences en face de toi à cause de ça. Et typiquement, si tu fais un jeu, moi ça m'est déjà arrivé dans une banque que je nommerai pas, ils ont des problèmes avec les États-Unis en ce moment, j'animais un jeu avec une équipe, y compris le chef de l'équipe. Et le chef avait du mal à se mettre au même niveau que son équipe et à se dévoiler devant son équipe, et il l'a pas très très bien vécu. Donc je l'ai plus mis sur un rôle d'observateur, pas pourrir la session et pour continuer je leur apprenais la méthodologie Kanban, donc c'est accessoire, mais effectivement tu touches à la psychologie des gens et il y a certaines personnes ça va les freiner,
Enfin, tu as vraiment les deux comportements. Il y a certaines personnes introverties qui vont réussir plus facilement à s'exprimer dans ce contexte-là. À l'inverse, il y a certaines personnes que ça va bloquer. Donc, il faut savoir comment les gérer. Et la deuxième chose, moi je suis docteur en pharmacie et ça me, beaucoup de choses dont vous parlez me faisaient penser à l'éducation thérapeutique qui est en train d'exploser entre guillemets en santé. Le principe, ça revient vraiment à faire du service game puisque c'est de mettre les patients dans un contexte où ils reprennent en fait leurs habitudes, par exemple dans le cas du diabète, jouent avec les aliments, entre guillemets, hein, jouer, pour essayer de comprendre quel est l'aliment qui peut faire une hyper ou une hypoglycémie. Et on est vraiment dans cette logique. Donc je trouve ça intéressant de reprendre des notions que j'avais vues dans le cadre de mon travail ou dans le cadre de mes études et de les reprendre sur un autre contexte qu'est l'informatique, parce que finalement c'est transversal. Mais totalement, totalement. Il y a un des principes, alors le jeu c'est toujours quelque chose qui est difficile à définir. Il y a des sociologues qui s'essayent depuis un bon siècle et personne ne trouve la même définition. Mais il y a un des éléments qui est à peu près dans toutes les définitions, c'est que le jeu n'a pas d'impact sur le monde réel. Donc on peut tenter des choses. Et donc effectivement, on peut s'amuser à varier son alimentation. Les patients peuvent s'autoriser de se tromper en éducation thérapeutique face à un médecin et à des différentes conditions. Voilà, exactement. Alors que quand on les a au comptoir, ils ont peur de se tromper. Et là, de la même manière, tu peux virtuellement totalement planter un projet. Ouais. C'est pas grave, personne va te taper dessus et tu as appris ce qu'il fallait pas faire. Exactement. Ouais. C'est exactement la même idée derrière. Oui. Sur les jeux que vous pratiquez en formation, lesquels plaisent le plus? Pas forcément ceux à la fin du jeu, tout le monde se dit on s'est bien marré, c'était bien, mais genre 2-3 mois après. Alors, est-ce que vous avez des retours de clients qui vous ont dit ce jeu-là, j'ai vraiment eu des retours et je pense que la leçon elle est vraiment mieux passée? Ou... Alors, ceux qui plaisent le plus, c'est ceux où il y a des Legos. Mais sinon, ceux qui marquent le plus, ce sont ceux qui sont complets. C'est-à-dire, typiquement, deux jeux que j'utilise énormément, c'est Lego for Scrum, donc celui dont je parlais très brièvement. On va utiliser tous les principes de Scrum appliqués à la construction d'une ville en Lego. Et le Kanban Zine, qui est je gère un magazine en utilisant les principes du Kanban. Et cela marque beaucoup parce que ceux-là, ils sont ludiquement très aboutis. Et en fait, c'est ça, c'est si le jeu est bien fait, mais vraiment d'un point de vue mécanisme ludique, fun, amusement, etc., si le jeu est bien fait, les concepts vont rester. Et les gens, peut-être pas tout de suite, mais voilà, un mois après, ça va faire tilt. Ah oui, tiens, mais ça, c'est exactement la même situation que j'ai rencontré et là où on s'était planté dans le jeu à ce moment-là, parce que souvent ces jeux sont faits pour vous mettre en situation d'échec, pour vous faire réfléchir et rebondir derrière. Oui, on vous manipule là aussi. Et donc, effectivement, ça va vraiment faire le « ouais, tiens, on s'était planté là-dessus » et là, on est en train exactement de refaire la même chose. Ou, même si le déclic ne vient pas des personnes, souvent, les personnes que je forme, je les accompagne derrière et moi, je vais m'en servir. C'est « ouais, mais alors, rappelle-toi ». Là tu t'étais planté parce que tu avais oublié de communiquer de telle manière avec telle personne, tu n'avais pas montré telle chose. Vous êtes en train de refaire exactement la même chose et tout de suite il se rebase sur une vraie expérience, au final une expérience virtuelle, mais c'est une vraie expérience. Et donc ils comprennent beaucoup plus rapidement et ils peuvent faire le rapport avec le monde réel derrière. Oui, les jeux que tu utilises, c'est toi qui les as mis au point ou c'est des jeux qui existent et que tu reprends? Alors les deux, donc il y a Testy Cupcakes pour les Serious Games, hein, qui est vraiment une mine. Sinon, à SOAT, on a créé un jeu là, qui s'appelle le Kaizen Game, qui est donc une œuvre collective pour manipuler les concepts d'amélioration continue. Voilà, donc vous pouvez, si vous ne savez pas quoi faire le 17 juin, vous pouvez revenir ici. Le French Kanban User Group organise un meetup avec tout un tas de jeux pour apprendre le Kanban et entre autres sur le Kaizen Game. Oui, j'en profite, désolé, je fais ma pub. Excuse-moi. Merci. Ben de rien. Merci à vous.